Coup de pouce. Coup de pouce. Coup de pression. Coup de mou. Coup de foudre. Coup de foudre. Coup de chance. Coup de soleil. Coup du sort. Coup du lapin. Coup de folie. Coup de théâtre. Coup de vieux. En coup de vent. Coup de cœur. Coup de cœur. Les coups de cœur littéraires de la librairie Landru par Pascal Farge. Watergang de Mario Alonso aux éditions du Tripode. C'est le coup de cœur de Pascal Farge de la librairie Landru à Chamonix-Mont-Blanc. Watergang, très beau livre. Couverture séduisante d'un tableau appelé « La mer Baltique » de Nathalie Lebrowska. Je me suis laissée embarquer dans cette histoire de polder. L'histoire de Paul, petit bout d'homme qui court sans arrêt. Écrit, veut devenir écrivain. Il ne parle guère, Paul. Mais il y a Kim, sa sœur. Et Super, sa mère. Chaque chapitre correspond à un prénom qui correspond au personnage cité. Original, sobre, écriture souvent poétique, on y découvre des paysages magnifiques, vivants. Paul reste au milieu, au centre, solitaire. Il nous fait aimer et lui et sa famille. C'est un roman choral très fort, original, à découvrir. J'écrirai mon premier roman à 13 ans. 13, ça porte bonheur. J'ai tant de choses à dire sur Mildelburg, mais je vais attendre. J'y tiens, je suis superstitieux. Mon roman commencera par « J'ai 13 ans, j'habite Mildelburg et ma sœur est enceinte ». Cette phrase, je l'ai écrite sur un carnet pour ne pas l'oublier. Et le carnet, je l'ai planqué quelque part dans les polders, loin du village. Toutes les nuits, à la même heure, je vois le téléphone de ma sœur s'allumer sous ses draps. Elle fait comme une tente sur son lit, une sorte d'origami géant qui se gonfle et qui se dégonfle au rythme de sa respiration. J'aimerais croire qu'elle braque la torche sur son ventre pour communiquer avec le bébé, en faisant courir le faisceau sur sa peau. Sauf qu'en réalité, elle parle à Jérôme, son petit ami. Elle finit toujours par pleurer. Jérôme est le père, mais il ne le sait pas. Ça doit être pour ça. Moi, je pourrais ne jamais pleurer. Seulement, voilà, de temps en temps, je me force. Je le fais exprès, histoire de ne pas attirer l'attention. Les gens trouveraient ça trop bizarre. Déjà que ma santé mentale suscite des interrogations, ne pas pleurer à 13 ans, ce n'est pas normal. Automatiquement, ça fait de vous un petit monstre. Coup de cœur. C'était le coup de cœur de Pascal Farge, de la librairie Landru. Cette semaine, Watergang de Mario Alonso aux éditions du Tripode.